pour moi, la dignité en tant que femme et en tant que femme sans papier, la dignité d'abord, c'est la confiance de soi-même, avoir une vie meilleure et digne, comme tout le monde, c'est-à-dire avoir un logement, un travail stable, pouvoir circuler librement comme tout le monde, la régularisation de tout et de toutes les sans-papiers, et non au racisme. Alors pour moi, la justice, c'est que l'État et les institutions cessent de nous considérer comme des citoyens de seconde zone et des citoyennes de seconde zone, qu'on soit reconnus comme des citoyens et des citoyennes à part entière. Pour moi, la justice, c'est aussi que les discriminations elles soient reconnues. Quand je parle de discrimination, je parle des discriminations à l'emploi, des discriminations au logement. Pour moi, la justice, c'est aussi que les crimes policiers soient reconnus dans les quartiers populaires. Pour moi, enfin, en tant que femme, la justice, c'est qu'on cesse de nous invisibiliser dans tous les espaces et qu'on sorte un peu du schéma traditionnel qui veut que les femmes doivent se sacrifier pour l'ensemble de l'humanité. Pour moi, la vérité, ça serait que chacun prenne conscience des rapports qui s'opèrent dans notre société. Que certains bénéficient d'un privilège et que d'autres le subissent et subissent des oppressions dues à cette hiérarchisation justement de privilèges. Par exemple, le racisme institutionnel, la misogynie d'État due à un système patriarcal et le sexisme ordinaire.